des amis de la première heure. Nos efforts sont tournés vers le futur. On se bat pour devenir meilleur. On se déchire, on s'obstine, mais tout finit par s'arranger. Notre amitié n'est pas anodine. Chaque défi nous a rapprochés. Si nous parvenons à unir nos efforts, ensemble nous serons bien plus forts. Allez, un pour tous et à 100%, nous mettrons toujours dans le mille. Si tu crois en tes coéquipiers, le rêve est là, à ta portée. Vaincre encore, encore et toujours. Le ballon file, l'âme nous fait signe. Allez, c'est le moment de marquer, c'est trop beau. Nous devons saisir la balle au bon. Pourquoi faire l'adversaire au poteau? Il faudra jouer le tout pour le tout. Ensemble tous pour un pour tous. Le ballon file, l'âme nous fait signe. Allez, réunis sur les chemins de l'amitié et toujours ensemble dans l'adversité. Nous pourrons exaucer tous nos souhaits jusqu'à rassembler tout l'univers. Vaincre encore, encore et toujours. Inazuma 11-2, tempête de glace. Merci Barak pour cette magnifique introduction. Bonjour à tous et bonsoir, bienvenue sur ce live. On se retrouve pour la suite de l'aventure sur Inazuma Eleven 2, Tempête de Glace. César arrive au propos de servir et dans le dernier épisode, nous avions continué l'aventure. Nous étions arrivés au collège Faucheur où nous avions appris qu'un mystérieux carnet de méga super technique s'y trouvait et nous avions rencontré Taren la chance et... Genesis venait d'arriver à Fauchor pour nous démonter la gueule. Et donc on va y aller tout de suite. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout est si calme? C'est comme si le temps s'était arrêté. On n'entend plus rien, pas même le souffle du vent. Je ne reconnais plus notre collège. Salut Noah Origin. Mais ah, t'as déjà fini Inazuma Eleven 1 et tout, ça fait 2 semaines. Bah Inazuma Eleven 1, si tu le rush, il est pas très long, hein. Et je live tous les jours, moi, hein. Noah, donc c'est pour ça, si tu viens pas, ça va vite, hein. Et d'ailleurs, vu que tu es sub, n'hésite pas à regarder les nouvelles émotes qui ont été ajoutées. Oui, les émotes sont là, les émotes sur la chaîne, 2 disponibles actuellement, une 3e en cours d'approbation par Twitch, qui je ne sais pas pourquoi ne veut pas l'approber tout de suite. Mais voilà, et celle qui n'a pas encore été approuvée, c'est Byron Love, comme par hasard, parce que Twitch, c'est des racistes. Voilà, je déconne. Non, mais ils veulent pas, je ne sais pas pourquoi. Non, ça, c'est pas mes émotes, ça. Les émotes de Pokémon, c'est pas les miennes. Jude, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils sont ici. Oh. Oh my god, Bellatrix! Terrien, vous faites face à l'élite de l'Académie Alius. Notre nom de code est G. G comme Genesis. Genesis? C'est donc l'équipe la plus forte d'Alius. Ils sont si calmes. C'est ce qui leur donne cet aspect terrifiant. J'irai droit au but. Remettez-nous le cahier oublié immédiatement. Quoi? Notre mission est simple. Battre Raymond et récupérer le cahier oublié. Oh là là! Incroyable. Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Voilà! Une fois cette mission achevée, nous cesserons de détruire les collèges. Quoi? Comment connaissez-vous l'existence du cahier oublié? Écoutez les extraterrestres, nous refusons de nous plier à votre volonté. Si vous voulez le cahier, vous n'avez qu'à venir le chercher. Darren les balls. Tu n'as aucune chance contre nous, microbe. Quoi? À quoi bon vous opposer à votre destinée? Vous ne faites que prolonger vos souffrances inutilement. Pourquoi tant d'obstination? Je ne comprendrai jamais les terriens. Vous m'inspirez presque de la pitié. Joueur de Fauchor, vous ne faites pas le poids face à nos super techniques.
Mais la trique, ça suffit. Capitaine. Voici donc leur capitaine. Pourquoi m'interrompre, Xéné ? L'éprouves-tu sincèrement de la sympathie pour ces misérables terriens ? Tu n'as pas de crainte à avoir, Bellatrix. Je mènerai à terme ma mission et respecterai la volonté de père. Fauchor, nous acceptons votre défi. Non, il capte pas que c'est Xavier ? Oh, d'accord. Bien, tenez-vous prêt, tout le monde. Ses cheveux rouges, cette voix. Faut être con pour pas comprendre tout ce que c'est Xavier quand même. Grâce à l'entraînement qu'elle avait subi, l'équipe de Fauchor était méconnaissable. Toutefois, l'équipe de Genesis était plus forte que tout ce que nous avions pu imaginer auparavant. Oula. Quel nul. Vous êtes trop lent. Et tellement mou. Vous êtes pathétique. Non. Ils sont rapides. On les voit à peine bouger. Mais comment font-ils ? C'est impossible qu'on arrive à les battre. Ce n'est pas si sûr. Hein ? Regardez Marc. Il pense que c'est possible. Entre penser et réussir. Comme une différence. Excusez-moi. Mais le fond plus fort, non. Le sourire, c'est fort comme ça. Ça arrête son tir d'arène. Je vais utiliser la technique que Marc Montessier que m'a enseigné les mains de l'infini. Vas-y d'arène. Ah, main de l'infini. Est-ce qu'il va l'arrêter? C'est ça le truc. Eh ben non. Qu'est-ce que c'est? Son tir a pu franchir les mains de l'infini. C'est impossible, c'est la technique de mon grand-père, la technique la plus redoutable de l'arsenal d'un gardien. Darren ne maîtrise peut-être pas tout à fait les mains de l'infini. Quoi qu'il en soit, ce tir était d'une puissance dévastatrice. Genesis ne joue pas au même niveau que nous. Allez les gars, on n'abandonne pas. Mental. Et moi qui pensais m'amuser un peu, cette équipe ne tient même plus sur ses jambes. Ces terriens ne sont pas de taille, comme on le pensait. Quel ennui. Même pas de quoi s'échauffer. Pff, désolé, Marc. À votre tour, Raybon, c'est pour vous battre que nous sommes venus. Toujours le même refrain à ce que je vois. C'est nous qui allons gagner. Marc Evans. Fais attention, Marc. Ces extraterrestres déploient un jeu intéressant, mais il n'y a rien à craindre. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de leur montrer quelques-uns de mes tirs fulgurants. Non. Le seul joueur à évoluer aujourd'hui sur le terrain, c'est moi, Sean Frost, c'est moi qui vais tirer. Toi, ne me fais pas rire, un défenseur comme toi ne connaît même pas les rudiments d'une frappe bien exécutée. Allez, ne sois pas si borné, donne-moi le contrôle, grâce à mes vitesses, nous allons les démolir. Qu'attends-tu pour me laisser le contrôle, Sean? Alors? Arrête. Sean ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien, tout va bien. Sean, nous aurons besoin de ton blizzard éternel pour gagner. Toute l'équipe compte sur toi. Oui, bien sûr. L'heure est venue de nous affronter, Raymond. C'est quand vous voulez. Let's go. Hein. Petite sauvegarde. Avant le match, quand même. Allez, c'est parti pour se faire démonter le cul. On va se faire démonter. Nathan doit être sur le terrain. Ah bah oui, victime doit être sur le terrain. Nice. Et pourquoi j'ai si peu de joueurs? C'est quoi ce bordel? Bizarre. On va être Sean là. Hmm.
Ah, c'est pas mal. Tu as pire, c'est scripté. Oui, je sais, t'inquiète. Encore heureux. Voilà enfin faire la sage Genesis. Comment peut-on gagner si on n'arrive même pas à voir nos adversaires? Ils sont bien trop rapides. Est-ce que Nathan va bien? Il a l'air inquiet. Sean n'a pas l'air bien non plus. J'espère que ça va aller. Je fais gagner ce match ou alors je ne m'appelle pas Sean Frost. Regardez, le capitaine de l'équipe adverse s'approche de Mark. Mark Evans, nous nous affrontons enfin sur le terrain. Ah oui, ça, j'ai perdu Todd. Hein? Tu sais comment je m'appelle? Putain, mais Mark, zéro d'intelligence, hein, c'est chaud. Je t'observe depuis le début. Ton évolution en tant que joueur et en tant qu'être humain est des plus admirables. Merci. Nous n'avons pas le temps d'échanger des politesses avec l'ennemi, Mark. Malheureusement, je crois que ce n'est pas d'autre choix que de te battre. Nous devons éduquer les gens de cette planète. Nous devons leur apprendre ce qu'est le bien. Hein? Commençons. Nous sommes Genesis, l'équipe de football la plus puissante de l'Alius Academy. Ah, déjà, Alius Academy, juste envie de t'arracher la peau du visage. Merde! Je fais tout tomber, oh! Y'a tout qui est tombé, oh! J'ai tout perdu, c'est bon. Oh, la musique. C'est beau, ça. Oh, dommage. Aïe, Pandora, merde. Wow, wow. Eh, ça joue trop bien au foot, là. Wow, wow. Ah, d'accord. Excusez-moi, madame. La tour. Ah, d'accord. Excusez-moi. Je savais que l'équipe de Genesis serait forte, mais à ce point-là... L'équipe s'est tellement entraînée et pourtant on ne peut pas leur faire face. Bon, Sean, on va te passer le ballon. Fais leur goûter à ton plaisir éternel. Ah! Eh, hey, Sean, tu nous entends? Allez, Sean, laisse pas faire, je vais leur montrer mon plaisir éternel. Non, je vais le faire moi-même, sinon ça ne voudra rien dire. Ah! Sean? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a peur de nous? Il n'arrive pas à se contrôler ou quoi? Ah, faut que ce soit Nathan qui récupère le ballon? Oh! La but, hein. Évidemment. Bon, allez, vous êtes encore plus mauvais que je l'imaginais. Ok, alors. Voilà. Ah bah, bien sûr. Quoi? Attends, il a glissé dessus là. Pas de banane. Allez Nathan. Je suis tellement entraîné, personne sur ce terrain ne peut être plus rapide que moi. Je me fiche que c'est de qui est mon adversaire, je ne perdrai pas. Nathan déborde d'énergie. Get tracked. Non, on réussira la prochaine fois. Tout cet entraînement va finir par payer. Pensez que je vais vous laisser gagner. Attention, c'est parti. Nathan qui commence à vriller. Ah, il y a un arrêt. Salut. Bon, allez, vous êtes encore plus mauvais que je n'imaginais. Et c'est à la PLS.
Oh la vache. Leur défenseur est bon, hein. Hey Nathan, non, c'est Tori qui l'a eu, scandale. Scandale. Vas-y Marc. Ah bah là. Victimisation. Bon allez, jouez correctement. Il y a carbonisation et il y a victimisation. Allez, on leur passe, ça va plus vite. Allez, Nathan, on monte. Non, cassez-vous. Ok. Tu dégages, tu dégages. Vas-y, tacle. Oh, bah d'accord. Laissez-moi faire, je vais leur montrer ce que de ce dont je suis capable. Laissez-moi faire, je vais montrer que je suis pas mal. Oui, mais ça on a compris, t'inquiète. Aïe aïe aïe. Et 4-0 à mi-temps. Bonne victimisation en règle. C'est un plaisir. Me jouer correctement, quel connard. Ah, Xené. Mi-temps. Ils ne laisseront pas marquer aussi facilement. Ah, on va mettre un but et on va gagner. Vas-y, Sean, on va tout donner pendant la deuxième mi-temps. J'ai toujours pensé que ce serait amusant de jouer contre toi, Marc. On dirait bien que j'avais raison. Ah. Je vous prendrai la balle la prochaine fois. Personne ne peut réaliser avec moi quand je quand il s'agit de vitesse. Oui. C'est juste une grosse merde. Au calme. Nathan, éclaté sur 20. Ok. Excusez-moi, messieurs. On va tout ce côté. Allez, Nathan. Voilà, tacle. Oh, il a réussi, incroyable! Bien joué, Nathan, tu as volé ce ballon à Genesis. Allez, je peux le faire, je fais confiance. Faute. Nice! On récupère la balle, il y a faute. Bien. Vas-y, Nathan, cours! Ah, faute, intéressant. Merde. Voilà. Charles, je te dois beaucoup. Je ne serais pas autant donné à fond si je n'avais pas laissé essayer de courir encore plus vite que toi. Tu traverses une mauvaise passe, mais t'inquiète pas, je suis là pour l'équipe. Ouais. Sûr. Salut. C'est malaisant ce qui se passe. Allez, on va faire comme dans l'anime. Tir classique et ça rentre. Bon allez, vous êtes encore plus mauvais que je n'imaginais. Ça dit un mal STV là. Oh non, Nathan, c'est un Nathan. Putain, mais c'est fait avoir. Quelle merde. Non, bon, allez, but. C'est un tir classique. Waouh. Ah d'accord. Bon allez, quelle honte pour vous.
Excuse-moi, Xené le quadruplé. Allez, Nathan, fonce. Mais non, allez, fonce, Nathan. Voilà. Ce garçon cheveux bleus est de plus en plus rapide, je n'aime pas ça. Wiles, oui, c'est compris. Xené, hein? J'ai reçu un ordre direct de l'empereur. Très bien, si c'est ce que vous voulez, père, nous allons l'écraser. À qui parlez-vous? Allez, les gars, continuez de me passer la balle. Je te laisserai pas faire. Oh, ils l'ont dégommé. Eh, il y a faute là. Non, ils ne vont pas de main morte, mais ils font bien attention à ne pas commettre de faute. Misérable terrien. Ah. Je crois qu'il en va encore. C'est horrible. Ils se prennent plus qu'à lui. Pauvre Nathan. Laissez-le tranquille. Ah, Marc, tu as... Écoutez-moi bien, on arrête ça. Plus de coups bas. Est-ce que tu comptes désobéir à notre père? Eh bien, si tu n'as pas le courage, je vais le faire à ta place. Regarde bien. Oh là là, la vache. Allez, il est mort. Et voilà. Alors, c'est comme ça. C'est là que... C'est dont je suis capable. Nathan. Nathan! Jonathan. Une défaite complète. Il ne manque plus qu'à détruire ce collège et à récupérer le cahier. J'aurais ainsi respecté la volonté de père. Non, notre collège! Le collège de mon grand-père a arrêté! Marc. Pourquoi a-t-il l'air si triste? C'était pas le moment de céder aux émotions, Xené. Je t'avais dit de ne pas fraterniser avec l'ennemi. Fraterniser avec nous? Tu ne comprends toujours pas, Xené est... Arrête! Ne lui dis rien. Tu ne peux pas le dire à Marc. Tu m'appelais Marc, cette voix, ses cheveux rouges. Enfin, bravo! Toi, non, c'est impossible. Tu as enfin découvert la vérité, Terrien. Le câble de Genesis n'est autre que ton ami, Xavier Foster. Arrête ça! Eh oui, navré de l'apprendre. C'est un acte né, n'est-ce pas? Un acteur. Le médecin échoue. Ouais. Xavier, fais-tu vraiment partie de Genesis? Je m'en doutais. Ah. Xené, qu'est-ce que tu fais? Replie, replie. Quoi? Vous ne m'avez pas entendu, je vous ai dit de vous replier. Genesis est un ordre, compris? Quel idiot. Vous avez bien de la chance, Terrien, de vous en être sorti. Xavier, nous avions confiance en toi. Mais tu l'as rencontré deux fois! Ta gueule! Oh là là, putain, qu'il est con! Hein. Marc, viens vite! C'est Nathan Hill. Il est mort! Oh non, Nathan! Oh, Nathan! Marc, écoute-moi, cette équipe. Ils ne sont pas humains. Fais attention, Marc. Oh, ils le font partir en civière pour pas qu'ils soient dépressifs aussi! Oh là là, c'est trop facile. Trop facile. Trop facile de le faire comme ça. Oh non, Nathan. Ouais, bien sûr. Vous. Vous avez du culot de me téléphoner. Quel plaisir éprouvez-vous à faire souffrir des enfants? Allons, allons, venant de vous, c'est une curieuse remarque. Vous pensez vraiment être meilleur que nous? Vous essayez d'améliorer sans cesse les aptitudes de vos joueurs pour former une équipe d'élite, tout comme Genesis. Tel père, telle fille. Vous trompez, Marc et les autres ne ressemblent en rien à Genesis. Après leur lourde défaite face à Genesis, quelle a été leur réaction? Cherchez à devenir plus fort, n'est-ce pas? Marc Evans l'a dit lui-même. Ah ouais, là c'est chaud. Nous avons perdu contre Genesis. Il va falloir s'améliorer et devenir toujours plus fort. Non, ces enfants, nous ne faisons rien de mal. Très bizarre cette phrase. Non, je fais rien de mal. Père. Que se passe-t-il? Tu n'as pas obéi à mes ordres?
Excusez-moi, père, mais l'équipe de Rimmon ne peut pas être notre ennemi. Pourquoi nous battre contre elle? C'est la première fois que tu exprimes ton propre avis, Xavier. Nos ennemis sont allés à l'étranger, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez toujours dit. Exactement, c'est pour cette raison que, les dirigeants de ce pays ont besoin d'un coup de fouet. Je les trouve bien trop mous. J'ai toujours voulu jouer un match de football contre Marc. J'étais sûr qu'on passerait un bon moment. Mais en voyant tout ce que Marc a dû subir sur le terrain, j'ai compris que je n'aimais pas agir ainsi. Le fait d'émettre des jugements ne te fera pas avancer. Contente-toi de suivre mes ordres. Mais père, cette discussion est close. Intéressant. Cela fait 10 heures qu'on a amené Nathan au bloc opératoire. On n'a reçu aucune nouvelle depuis. J'espère que tout va bien. Et Sean, comment va-t-il? Je crois qu'il n'est pas blessé, mais il fait des cauchemars. Des cauchemars? Ce ne serait pas à cause de... Tu sais quelque chose, Marc? L'autre jour, Sean m'a demandé s'il avait joué de façon bizarre pendant nos matchs. Je n'ai pas vraiment compris sur le moment. Mais j'aurais dû. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Que ça a à voir avec... Je pense qu'il est temps de vous révéler quelque chose. Sean avait un frère. Avait? Il s'appelait Hayden et jouait avec Sean dans un club de foot junior. Sean jouait en tant que défenseur et Hayden était attaquant. Bien joué Sean, passe-moi le ballon. Attrape Hayden. Sean se chargeait toujours de récupérer le ballon pour le passer à son frère qui lui marquait des buts. En jouant l'un avec l'autre, en jouant l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, ils formaient un tandem parfait. Jusqu'à ce que survienne l'accident. Quel accident. Hey Sean, t'as vu, j'ai marqué 3 buts d'affilée, je suis trop fort. Oui, si on a gagné aujourd'hui, c'était grâce à toi, Hayden. Haha, on a de la chance que le match n'a pas été annulé. Vous avez été extraordinaires tous les deux. Pendant qu'ils rentraient à la maison, leur véhicule a été pris dans une avalanche. Une avalanche? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah! Sean a pu être sorti du véhicule et s'en est sorti indemne. Malheureusement, Hayden et ses parents ont perdu la vie. C'est terrible. Je comprends mieux pourquoi il a eu si peur de l'avalanche à Hokkaido. Après l'accident, l'esprit d'Hayden est resté avec son frère. Sean possède une double personnalité, la sienne et celle d'Hayden. C'est pour ça qu'il est capable d'utiliser le blizzard éternel? Exactement, c'est la technique spéciale d'Hayden. Donc à chaque fois qu'il exécute le blizzard éternel, en fait, ce n'est pas lui, mais Hayden qui frappe le ballon. Une double personnalité, oui, c'est un équilibre psychologique et fragile. La rencontre éprouvante avec l'Académie Alius a certainement bouleversé cet équilibre. Si vous le saviez, pourquoi l'avoir laissé jouer dans l'équipe? Pour battre l'Académie Alius, c'est ça? Vous ne vous souciez toujours pas de son bien-être en tant que joueur? Tant que l'équipe gagne? Voyons, Sylvia, mais... Ma mission, c'est d'obtenir la victoire. Je croyais que Sean était un avant-centre capable de jouer à l'arrière. Je pensais qu'il se comportait de façon étrange à cause de l'intensité de nos dernières rencontres. Bouffon. Mais j'avais tort. Il possède une double personnalité et il n'a pas souhaité en parler avec qui que ce soit pendant tout ce temps. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il voulait me mettre sur la voie en attirant mon attention. Marc. Nathan est parti et Sean se trouve dans un sale état. Nous sommes en train de perdre tous nos joueurs. Si seulement il était avec nous. Tu parles d'Axel, n'est-ce pas? Axel arrive toujours au bon moment pour sauver la mise quand tout va de travers. Où peut-il bien être en ce moment? Je voulais vous en parler depuis tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Axel il y a peu de temps. Ouais, bien sûr, vraiment. Tu aurais pu te manifester un peu plus tôt. Désolé, je voulais vous le dire, mais ça avait toujours l'air de tomber au mauvais moment. Bon alors, raconte-nous, où est-ce que tu l'as vu au juste? C'était à Okinawa lors d'un match. Il y avait un garçon qui faisait une frappe enflammée. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'Axel.
Je ne l'ai pas vu de face, alors il est possible que je me trompe. Tu l'as vu à Okinawa, quelqu'un qui fabrique... Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? En tout cas, ta description semble correspondre à celle d'Axel. Ah ouais, il a juste un tir de feu. C'est l'Edge. Juste au moment où l'équipe en a le plus besoin, ne perdons pas de temps, allons à Okinawa. Non, Marc. Je reste ici jusqu'à ce que Nathan soit rétabli. On a beaucoup de choses à se dire. Marc. Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'entraîneuse? J'aimerais discuter avec toi en privé, Marc. Je sais que tu t'inquiètes parce que Nathan et toi n'aviez pas le même point de vue. Hein? Comment est-ce que vous êtes au courant de ça? Je suis votre entraîneuse. Je fais toujours attention à mes joueurs. Nathan a toujours été l'un des meilleurs de mes meilleurs amis. Quelqu'un à qui je pouvais parler. Il a même quitté le club d'athlétisme pour rejoindre l'équipe de foot et venir m'aider. Il a tellement fait pour moi, et moi je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit en échange. Le moins que je puisse faire est d'attendre qu'il aille mieux. Jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de rejouer au foot ensemble. Marc. Oui, madame l'entraîneuse. Tout va bien se passer, Marc. Nathan et toi dépasserez vos différends, je te le promets. Oula. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre quelqu'un parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord? Oui, beaucoup. Je ne m'en rappelle pas. Par contre, vous regardez jouer au foot, ça me rappelle mon frère. Vous avez un frère? Oui, il aimait tellement le foot qu'il est parti dans un camp d'entraînement. Et il nous a quittés pendant qu'il était là-bas. Je vois, je suis désolé. C'est étrange, tu es la première personne à qui j'en parle. Marc. Nathan. Nathan? Est-ce que ça va mieux? Tu peux marcher tout seul? Je suis désolé de ne pas être revenu te parler avant. Oh, mais ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est que tu sois pas gravement blessé. En tout cas, ça veut dire que tu peux venir avec nous à Okinawa. On va chercher Axel. Je ne peux pas. Hein? J'ai bien peur que Nathan doive encore rester ici pour un moment. Il a des examens médicaux à faire. Je vois. De toute façon, tu seras bientôt rétabli, donc si tu veux... On t'en fait pas, Marc. Partez sans moi. Et je vous rejoindrai plus tard. Oui, sûr. T'as intérêt, je reviendrai, Nathan. Je t'attendrai, pardon. Je sais ce que tu as à faire. C'est pour ça que pour l'instant, je vais juste te dire. Au revoir. Je suis Sean Frost, je ne suis pas Aiden. Tout ce qui les intéresse, c'est les qualités offensives d'Aiden. Personne ne veut de mes compétences défenseur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux... De nous deux, j'aurais dû être celui qui est survécu. Personne n'a besoin de toi. Violent. Hé, Sean. Est-ce que ça va? Oui. Ok, alors on peut y aller. Tout le monde t'attend, tu sais. Très bien. Nathan semble se remettre, quel soulagement. Allez, à Okinawa. Me cause moins de tracas maintenant. Au fait, Marc, j'ai eu beaucoup de mal avec ces extraterrestres. Je ne veux pas être un fardeau pour l'équipe. Mais je suis hyper motivé maintenant. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous aider à battre à Genesis. Laisse-moi rejoindre l'équipe de Raymond. Allez quoi, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Avec plaisir, Darren. En fait, je voulais t'avoir comme coéquipier depuis que je t'ai vu jouer pour la première fois. Merci, Marc. C'est vraiment sympa. Bonne chance, Darren. J'espère que tu leur mettras une bonne raclée à ces petits hommes verts. On est avec toi, Darren. Ouais. Merci, les gars. Faites bien attention à vous. Vous êtes les 10 héritiers du 11 Niazuma. David Evans serait fier de vous. Merci, à bientôt, monsieur le principal. Ce sont des garçons bien intentionnés. Tout va bien se passer. Ils ne finiront pas comme Genesis. Je défends une bonne cause.
ses enfants et moi. Notre combat est juste. Le combat est juste. Pendant ce temps, à Okinawa. Venez par ici, ce garçon a été aspiré par le tourbillon géant. Ça va, tu n'as rien? Il faut appeler une ambulance, vite. Silence, il essaie de dire quelque chose. Ah, l'attaquant de feu. L'attaquant de feu, il divague le pauvre. Trop dark, Axel. Pourriez-vous m'accorder quelques instants? J'ai des questions à vous poser. Ok. Nous partons pour Okinawa, à la recherche d'Axel. Mais où se cache-t-il? Vous le découvrirez dans Retour de Flamme. Allez Axel, jouons ensemble. Petite sauvegarde. Wow, regardez ça, il y a encore un tourbillon dans la mer. Il est énorme, mec. Ouais, ils sont de plus en plus grands. Nous avons dû mettre l'océan en colère, c'est un mauvais présage, ah oui. Arrête de dire ça, grand-mère. Bon, c'est dangereux ici, on fait mieux de s'éloigner. C'est un très mauvais présage. Hein, il y a quelqu'un? Ah, un fantôme! Tout est prêt, tout est enfin prêt. Ça ne devrait plus tarder à présent. Raymond, nous voilà. Chapitre 8, Retour de Flamme. On devrait bientôt pouvoir revoir Axel, j'ai trop hâte. J'aimerais vraiment essayer d'arrêter sa tornade de feu. Ça ne sera pas facile d'arrêter sa puissance de frappe étant hors du commun. Mais on n'est même pas sûr que cet attaquant de feu soit vraiment Axel. Ce serait tellement triste qu'en fait ce soit quelqu'un d'autre. Mais si ça se trouve c'est lui, je suis sûr qu'il a suivi un super entraînement à Okinawa. Je suis tellement pressé qu'il revienne. On peut battre n'importe quelle équipe avec Axel. Bon, je verrai, je peux les recruter tout de suite. Il est si fort que ça? Oui, il pourrait sortir l'équipe de n'importe quelle situation, aussi mauvaise soit-elle. Il inspire confiance à tous ceux qui l'entourent. C'est l'attaquant parfait. L'attaquant parfait, c'est assez impressionnant. Axel. Je lui ai promis qu'on deviendrait le légendaire 11 d'Inazuma. J'ai eu du mal à y croire quand il a quitté l'équipe. Il a dit qu'il était en train de... qu'il était un frein pour nous. Mais c'était pas pour ça qu'il est parti. Il doit y avoir une autre raison. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais remarqué? Marc, qu'est-ce qu'il ferait à Okinawa alors? Je sais ce qu'il faut. Il s'entraîne. Il s'entraîne dur pour redevenir notre buteur number one. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait tout ce chemin jusqu'à Okinawa? Si ça se trouve, il était poursuivi. Il a dû aller à Okinawa pour se cacher. Ah, tu regardes trop de télévision, Sou. Nous ne saurons jamais pourquoi Axel est venu à Okinawa si nous resterons dans la caravane. Je sais, c'est pour ça que je veux le retrouver et lui parler face à face. Cette fois, c'est moi qui vais l'aider. J'irai jusqu'au bout du monde pour retrouver Axel. Exactement, on organisera une fête pour son retour, n'est-ce pas, madame l'entraîneuse? Oui, pourquoi pas. Ouais, Sou a raison. Hein. Mais Todd m'a dit que c'est elle qui l'a viré de l'équipe. C'était pas bizarre si elle était contente de le revoir. Arrête de faire l'intéressant, Scotty. L'entraîneuse ne vous explique pas toujours ses choix. Mais je suis sûr qu'elle avait une bonne raison de laisser partir Axel. C'est ce que je pense aussi. Bon allez, ça ne sert à rien de rester planté là. On doit aller à Okinawa. Axel, on arrive. Eh les enfants, il n'y a plus que pour Genesis à la télé et à la radio. On dirait que cette équipe ne provoque pas autant de dégâts que les autres. Mais vous êtes quand même tous nerveux après avoir vu à quel point ils sont puissants. Ce serait vraiment le bon moment pour qu'Axel revienne dans l'équipe. Hein. Vous avez raison. Alors, venez me parler quand vous serez prêt à partir. On va directement Okinawa.
Non mais vétéran, il sait tout. Vétéran, c'est un omniscient, il sait tout. Il sait tout, il voit tout. Ouais, regarde comme l'eau est bleue, Marc. Ça brille, c'est vraiment beau. Ah ouais, c'est si romantique. Tu sais, Mamour, ce serait un super endroit pour faire une demande en mariage. Une demande en mariage? L'entraîneuse aurait dû venir avec nous, au lieu de rester dans la caravane. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. C'est par ici que j'ai vu le garçon qui ressemble à Axel. Ça me donne envie de nager, toute cette eau. Allez, Marc, on fait la course. Hein? Et ton maillot de bain? J'ai pas besoin de maillot de bain, on peut juste aller se baigner comme ça. Tori, attends. Arrêtez, n'approchez pas de l'eau. Ouais, Orlé, c'est un génie. Et c'est quoi ce bruit? Marc, regarde, il y a un énorme tourbillon là. Il fait peur ce tourbillon. Ouais, il est encore plus grand qu'avant. Écoutez, le murmure de l'océan est en colère. Qu'avez-vous fait pour le mettre en colère? C'est mauvais, très mauvais. Hein? Mais on vient juste d'arriver. On n'a rien fait, nous. Oh, moi, la pinouche, j'ai tellement peur. Serre-moi fort, tu veux? Mais d'où il vient, ce tourbillon? J'en ai aucune idée, mec. Ils apparaissent d'un coup comme ça dans l'océan. Des gens ont même été aspirés dedans. Si j'étais vous, je ne m'en approcherais pas, les gars. Nous vivons des jours bien sombres. Un événement étrange en appelle un autre. J'ai même entendu dire qu'un joueur de football aurait fait sortir des flammes d'un ballon sur la plage. Des flammes? On dirait la tornade de feu d'Axel. On doit mener l'enquête. C'est sûrement lui qu'on recherche. Vous pourriez m'en dire plus, ce garçon? Quoi, vous connaissez? Oui, c'est notre... Non, pas du tout. On n'a rien à voir avec cette personne. Je préfère ça. Et ne vous approchez pas de ce tourbillon, d'accord? Ah oui, on fera très attention. Ah oui, mais il l'a esquivé, mec, sans regarder. Je peux plus respirer. Ah ouais, désolé, Marc. Ouf, mais à quoi tu peux jouer, Bobby? Mais enfin, réfléchis, imbécile. C'est clair qu'il ne l'aime pas par ici, cet attaquant de feu. Quel idiot crierait sur le toit qu'il est ami avec le petit voyou du coin? En tout cas, il semble d'autant plus probable qu'Axel se trouve ici. Charme? Tu trembles? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens pas bien? Hey, Charme. C'est horrible, il y a une avalanche. Nous sommes arrivés trop tard. Charme, ta famille. Maman, papa, Aiden. Ah, Charme, réveille-toi, Charme. Oh, Marc. Tu vas bien? Tu es tout pâle. Je vais bien. Je n'aime pas être trop près de ce tourbillon. Ce bruit t'a rappelé celui de l'avalanche, c'est ça, Charme? Non, c'est pas ça. Je me suis juste senti un peu mal. Mais ne t'inquiète pas, je vais mieux maintenant. Tu en es sûr? Oui, bon, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous risquons de nous ennuyer à force d'attendre Axel. Tu as raison, et je sais, puisqu'on est là, autant s'entraîner sur la plage. Pas question, je vais cuire comme une crêpe sous le soleil. Mais ce serait pas une tragédie, on est tous d'accord. On doit vraiment s'entraîner sur la plage? Bien sûr, on ne pourra pas bouger aussi librement que d'habitude dans la plage. Ça va nous faire un bon entraînement. Et c'est un très bon moyen de faire savoir à Axel qu'on est à Okinawa. Exactement, allez, on y va. Alors on va préparer un terrain pour vous, Marc. Viens me voir quand tu seras prêt à commencer l'entraînement. Attends. Tu es prêt? Oui. Continue comme ça. Le sable les empêche effectivement de se déplacer librement. Oui, je suis sûr que c'est un super entraînement pour eux. Aïe, du sable, j'ai du sable dans les yeux. Hich, regarde ma peau, elle est toute sèche. Bon, tout le monde n'est peut-être pas aussi enthousiaste. Tu es prêt, Marc? Ouais, vas-y, le point de la justice, je vais y arriver cette fois. Il faut faire bam avec la main ouverte, poum, on sort le point, et paf, zoom. Hein? Oh non, il a encore échoué. Je me demande ce que veut dire le zoom. Ne t'inquiète pas, Marc. Ce n'est pas une méga super technique pour rien. Il sera pas facile à prendre. Oui, je suppose. Yahoo! Hein, c'était quoi cette voix? Quoi, je l'ai entendu? Waouh, regardez ça!
c'est du corail, hein. Je l'aurais jamais vu comme ça avant, super. Ne t'approche pas de l'eau, Scott. Alors, allez. Oh mon dieu, la voix d'Hurley. Qu'est-ce que... Il a jailli hors de l'eau. Ah, désolé les gars, je me suis laissé emporter. Eh, fais attention, t'aurais pu me crever un œil avec cette planche de surf. Hein? Vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu ici. Eh, c'est ballon de foot. Vous pouvez vraiment jouer sur le sable? Hein? Ah, relax, mec, amusez-vous bien. C'est qui, lui? Eh bien... Eh, hey, tu crois que tu vas t'en sortir sans excuse? Ce tir va te remettre les idées en place. Scott, non! Attention! Que quoi? Waouh, il a renvoyé le tir de Scott! Surfeur et footballeur à la fois, c'est le genre d'athlète qu'il nous faut dans l'équipe. Ouah, c'est fort, mec! La balle est sortie de nulle part et a foncé sur moi. Ce retourné que tu viens de faire, c'était génial. Tu joues au foot toi aussi? Hein, non mec. J'ai jamais joué au foot de toute ma vie. De toute ta vie? Alors est-ce que tu voudrais pas jouer avec nous pour voir? Tu as tout ce qu'il faut pour être un bon footballeur. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Pas moyen mec. Je suis un surfeur, le football c'est pas pour moi. Et de toute façon, il est temps pour moi de profiter des meilleures vagues de la journée. Les meilleures vagues? Mais je crois qu'on ne devait pas s'approcher de nous à cause du tourbillon. Ah ça, ce petit tourbillon là, c'était rien comparé à l'immensité de l'océan. C'était pas ce qu'elle. A plus les gars, je vais. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Sage décision, un amateur ne pourrait jamais nous tenir tête de toute manière. Hein? Même le plus talentueux des athlètes ne pourra pas exceller au foot sans en avoir jamais fait. Quoi? Raconte-toi n'importe quoi, mec. T'as vu quand j'ai renvoyé cette balle? Aucun problème, je te dis. Et c'est censé faire de toi un bon joueur de football? Ça n'est rien du tout. Fais attention à ce que tu dis, mec. Arrête ça, Jude. Chut, je crois qu'il a une idée derrière la tête. Rien du tout. Ah ah, mec. Je vais te faire avaler tes mots. Allez, on se fait une partie. Et voilà le poisson mordu à l'hameçon. Poisson, hameçon? N'importe quoi. Je fais les choses comme je l'entends. Et là, je vais vous montrer ce que je veux. Super, ravi de te rencontrer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hurley Kane. Ok, Hurley. Alors, comment c'est l'entraînement? Orley a vraiment une bonne puissance de frappe, hein. Ne joue pas trop, le football ce n'est pas aussi facile que ce que tu crois. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Il a complètement raté la balle? Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Ah ah! Il n'a même pas tiré dans la balle. Que de la frappe, aucune précision. Ah, c'est plus difficile que ça en a l'air. Essaye de tirer au bon moment, Orley. N'oublie pas que le ballon est toujours en mouvement. Au bon moment, hein. J'y vais. Yaaaah! Je m'approche, puis je recule. La balle est toujours en mouvement. Ah, c'est comme pour surfer sur une vague. Oh, ok, j'ai eu mouvement. Hurley a pris la balle à Tori. Pas mal, mais je ne dois pas me laisser faire, Hurley. Waouh, ça devient chaud. C'est vrai, Hurley semble déjà maîtriser les bases du... Non, 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 je ne perds pas de ça. Mais enfin, ça se voit, non? Tori et Hurley, ils brûlent du feu de l'amour. De l'amour? Il faut qu'elle fasse gaffe, ou elle va succomber à sa chaleur tropicale. Ah, je te vois. Gênant. On a fini égalité. Bien joué, Hurley. Ouais, c'était sympa. Alors, Hurley, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes bien le foot? Ouais, mec. Vous aussi, vous êtes sympa. Est-ce que tu vas au collège sur cette île, Hurley? Ouais, je vais au collège Maritime Memorial. Alors, tu viens d'ici. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un joueur de foot qui fait du feu quand il tire? Il paraît qu'il s'entraîne sur cette plage et qu'on l'appelle l'attaquant de feu. L'attaquant de feu? Non, j'ai jamais entendu parler de lui, mec. Mais si c'est un footballeur, vous devriez aller demander aux membres du club de foot s'ils savent quelque chose. Évidemment, ils en sont sûrement plus sur Axel. Ouais, mais là, je pense qu'ils sont tous rentrés chez eux. Revenez demain, ok? Ouais, merci, Hurley. Pas de problème, à demain. Du football, hein? Quel drôle de mec. Je ne pense pas qu'il soit méchant. Je le savais, tu es tombé amoureuse de lui. Que quoi? Ah, évidemment. Le jour suivant. Allez tout le monde, direction Collège Maritime. Allons parler aux membres du club et on va voir si on va trouver Axel. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que c'est un live qui s'arrête
extrêmement tôt par rapport à d'habitude, mais je suis fatigué et un peu malade. Du coup, je vais m'arrêter là. On se retrouvera demain pour un prochain live qui, cette fois-ci, commencera à 16h, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Désolé qu'il se termine un peu trop tôt, mais bon, ça arrive. On peut pas faire toujours des lives de 2h. On se retrouve demain pour un prochain live. Allez, salut tout le monde.